Toujours à Dieppe aujourd'hui. Alors, la nuit est tombée par rapport au vlog que vous avez pu voir hier. Du coup, je suis dans un hôtel avec vue sur mer, mais là, on voit plus rien. Bref, je vais partir rejoindre un abonné. N'oubliez pas que ce vendredi 19 janvier, il y a un concert de Margie à l'étage. J'y serai. On pourra se voir comme d'habitude. L'entrée est de 5 euros. Margie, c'est la chanteuse dont je m'occupe et que vous avez déjà vu à plusieurs reprises au cours de mes vlogs. Si vous voulez venir, parce qu'elle chante trop bien, ça va être super. Guitare, voix, petite ambiance acoustique, cette fois-ci encore. Vous venez à l'étage, 77 rue du Faubourg du Temple. Vous vous pointez ce vendredi à 20h, 20h30. L'entrée c'est 5 euros. Si vous voulez une table, si vous voulez manger, vaut mieux réserver parce qu'à chaque fois il y a trop de monde. Et puis bah voilà, on se voit demain, on trinque ensemble à l'étage pour le concert de Margie. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Là je descends de mon hôtel, j'ai rendez-vous avec Vincent. C'est un abonné, il habite Dieppe. Il a 3 enfants, il a une femme et il paraît que c'est le spécialiste de la paella. Et il m'a proposé de venir chez lui. C'est donc le premier épisode. J'avais peur qu'il y ait quelqu'un dans l'ascenseur, je serais encore passé pour un bizarre. Bizarre que je suis. Bref, ouais, premier Florian Honner chez vous de l'année 2018. Je vais chez lui et on va voir si c'est vraiment le pro de la paella. Voilà, il passe me chercher à mon hôtel, il est trop cool. Bonjour. Salut Florian. Comment ça va? Enchanté. Ça va très bien. Vincent, c'est lui. Et les enfants, je peux filmer les enfants? Oui, pas de soucis. Ça va les amis? Oui. Ah là, ils sont timides. Comment vous allez? Ah là là, on se retrouve. Alors c'est juste en face, t'attendais juste en face de mon hôtel. Exactement. C'est quoi ici? C'est une piscine? C'est une piscine, c'est un centre, tu vois, centre aquatique, balnéo, spa. D'accord. Avec de l'eau de mer en fait. Et bien l'eau de mer. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a une piscine extérieure et intérieure. Une piscine extérieure. Mais ouais. J'ai l'impression que cet après-midi, alors qu'il faisait 4 degrés, il y a des gens qui se baignaient à l'extérieur. Oui, parce qu'elle est chauffée, heureusement. Ah, sinon ouais. Tu peux pas te baigner. Mais comment ils vont jusque là? Ils en arrivent fait, en maillot ou alors ça passe, non, passe non, par l'intérieur? Tu peux passer par l'intérieur en fait. Ah ouais, d'accord, je me disais. Ah ouais, donc à l'intérieur ils sont au chaud. Exactement. Et c'est de l'eau de mer. Et même de la sensation de nager dehors quand l'eau est chauffée, même par ce temps-là, c'est super sympa. Bah, je sais, moi je l'ai fait en Islande dans des trucs exactement, naturels ouais, et c'est la même sensation en fait. Il faisait 30 degrés dedans, 5 degrés dehors. Donc, tu vois, ça donne une sensation super, c'est super agréable, ça détend. Et... Ouais, bon, ouais. Ce soir on va pas nager. Non. Tu as une réputation à tenir. J'ai dit à tout le monde que tu étais spécialiste de la paella. Hein. On va essayer. Ouais, on va essayer voir ça. Tenir les... réputation. Allez, c'est parti. Et là, on fait une petite halte sur la route, il veut me montrer Dieppe by Night. Là, c'est quoi, là? Là, c'est le terminal ferry, mais forcément, sur le ferry, c'est... Quand il y a le ferry, tu vois, sur le... D'accord. Non. Ensuite... Donc là, t'as le... tu as la plage. En face, c'est le château où je suis allé, le château de Dieppe. Exactement. Ok. Bon, on est arrivé bien au chaud, dans l'endroit central, dans la cuisine de Vincent. Bienvenue. On est arrivé, les enfants sont là. Bon, je vous présente Delphine aussi. Bonjour. Bon, et donc toi, la paella, c'est le truc de Vincent. C'est un truc de Vincent. T'as pas le droit d'y toucher. Vincent. Ok, non. C'est son moi, truc. Moi, je fais la petite main parfois quand ah, même. Ah, ok, à tu aides. En tant que marmiton. Voilà. Alors, t'as le grand plat à paella. Alors là, bien sûr, aujourd'hui, on n'est pas 50, mais t'as déjà fait des paellas pour plein plein de monde, c'est ça? J'en ai fait pour l'anniversaire de ma sœur, ses 40 ans, et j'avais 4 grands plats à paella, et on a dû la faire pour 80 personnes. Ah, ouais, d'accord. Donc là, t'es effectivement t'es équipé. C'est un grand plat. Bon, là, on va pas le remplir parce qu'on est que 6. Hein. En fonction, voilà. Voilà. Depuis quand est venue cette passion de la paella? Tu sais la cuisiner depuis ton plus jeune âge? Non, pas du tout. Alors, ah bon? Mon père, bah, le plus jeune âge, c'est mon père qui l'a cuisiné. Qui me l'a... Ah, ça se transmet de père en fils. Hein, bah, chez nous, oui, peut-être. Ah, c'est un génial. Peu ça, comme beaucoup de recettes dans certains. Ah, les enfants, c'est bientôt votre tour. Hein. Il va falloir apprendre. Hein. Mais disons, quand on aime la manger, il faut savoir la faire, tout ouais, simplement. C'est ça. Et donc là, on va essayer de la faire, puis on va essayer de la faire bonne. Du coup, c'est dur à faire? Non, mais alors là, j'ai préparé un petit peu les ingrédients pour gagner un petit peu de temps. Ouais. Donc, du coup, tu fais quoi? Parce que tout le monde ne met pas la même chose dans la paella. Il y en a qui mettent que des fruits de mer, d'autres que de la viande, d'autres ouais, un peu des deux. C'est un mélange terre-mer pour moi, donc ouais. Je mets les deux. Ah, c'est bien. Je vais mettre, tu vas voir. Ok, tu vas montrer au fur et à mesure. J'ai fait un petit peu de poivron. Alors, okay. Je les ai fait hein, tout. Tout a déjà été découpé. Ah là là, comme à la télé, tu sais. Ouais, voilà. Comme par magie, il te montre un poivron entier et d'un seul coup, hop, c'est découpé. En fait, tu vas mettre tous les ingrédients et en dernier, tu rajoutes le riz. Alors, voilà, je mets tous les ingrédients, je les fais revenir ensemble. Je mets de l'eau et pour la cuisson du riz, tout simplement. Et une fois que l'eau est à ébullition avec tous les ingrédients, il n'y a plus qu'à rajouter le riz. Ok. Tout simplement. J'ai de la viande de porc, du chorizo. Oh là là. Et tu charges ça bien en tout en plus. Hein.
Ça fait plaisir à voir. Voilà. Ça fait des jolies couleurs là avec les poivrons. Exactement. C'est le chorizo qui a coloré un petit peu la viande. Puis il y a un mélange d'épices aussi. Là, donc je vais rajouter, c'est de la sèche, donc comme du calamar. En d'accord. Fait. Donc c'est de la pêche locale. Ouais, vous auriez tort de vous en priver ici. Pêche locale, hein. Ça sert à rien d'aller chercher des trucs qu'il n'y a pas alors qu'il y a déjà plein de trucs. Exactement. Donc là, il y a déjà, donc je vais faire revenir un peu avec de l'ail, concentré de tomate, etc. Déjà, là, je vous dis, niveau odeur, ça se précise très très bien. Là, on commence à sentir. Hein. Je rajoute les dents de basse à la préparation. Oh là 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 là. Toi, tu rigoles pas. Non, faut pas rigoler. Mais comment ne pas avoir d'appétit quand on sent déjà ces bonnes odeurs et qu'on voit tout ça? Exactement. Hein. Puis au mois de janvier, on a déjà l'impression d'être en vacances à l'été. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Ça, poulet. C'est des cuisses de poulet. Ah là là. Alors, pour leur donner un petit peu de fumée, je les ai fait griller. D'accord. Tu peux les mettre directement dans le plat. Et moi, j'aime bien un peu l'odeur du fumet que ça peut rajouter à la préparation. Mais là, rien que quand tu le sors, on la sent l'odeur du fumet. Ouais. Du coup, là, niveau ingrédients, on est bon? Il en reste encore pas mal. Hein. Ah bon, il y a encore d'autres trucs à mettre? Pas beaucoup, mais tu vois, j'ai des petits pois. Ah oui, c'est vrai, les petits pois. Moules. J'avais oublié. Des moules. Ah, des moules aussi. Exactement. Ah ouais. Ouais, non, on est pas mal, mais il reste encore une. Je te disais, en fait. J'ai jamais vu une paella aussi chargée, parce qu'en général, les mecs, ils mettent soit un truc, enfin, ils en mettent deux, trois. Là, tu nous mets la totale. Bah, je mange toujours celle-ci, donc je peux pas comparer. Moi, je mange pas les autres. Les enfants, vous qui suivez mes vidéos, fermier ou pas fermier ce poulet? Fermier. Tu crois? Bah oui. On fait une dédicace à qui? Disney Jazz. Alors on rajoute le bouillon, c'est quoi ce bouillon? Il vient d'où? C'est de l'eau en fait, et j'ai fait, pour donner un petit peu de goût, j'ai mis dedans les têtes de gambas, les pattes, etc. Okay. Comme ça a deux avantages. Un, tu les retrouves pas dans le plat, tu les as pas dans les dents. Et ça donne du goût. Et puis je les fais infuser un peu pour... D'accord, voilà, donc pour c'est un vrai bouillon naturel. Exactement. Et après, du coup, quand il y aura le riz, il va absorber le bouillon. Ok, t'as vu, je comprends un peu quand même les choses. Exactement. Hein. Là, je rajoute un des derniers ingrédients, des petits pois. Ah bah oui. Bon, quelques minutes plus tard. Là, on est combien de minutes plus tard? Je sais plus, là, parce qu'on a pris l'apéro. On a laissé bouillir, tout simplement. On a laissé bouillir. Toute notre préparation. Et puis, une fois que ça bout, il ne reste plus qu'à mettre le riz. Ok. J'ajouterai les moules vraiment au dernier moment. Qu'elles soient juste cuites, ouais, ce qu'il faut, quoi. C'est parfois un petit peu la difficulté parce que c'est vrai que c'est pas évident de doser du riz, je trouve. Et du coup, le jus, là, on le verra plus après? Normalement. Parce qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup, là. Ouais, il voilà. y en a beaucoup, ouais. Donc on va voir. Après, ça peut être bien aussi qu'il reste un tout petit peu de jus pour qu'il reste un peu moelleux parce que ça absorbe vite. Mmh. Et il n'y a rien de pire, je trouve, moi, que du riz dans lequel il manque du riz sec, dans lequel il manque du jus. Quelques minutes plus tard. Ah ouais, ça absorbe bien là. T'as vu ça? On voyait plus le riz, on voyait pas le riz quand tu l'as mis. Non, pas du tout, et puis là ça cuit assez vite. Du coup, là faut attendre que ça repose, c'est ça? Exactement. Et t'as préparé une entrée. Une petite entrée. Alors, quand je t'avais envoyé un petit mail avant de te recevoir, je t'avais parlé de la coquille Saint-Jacques forcément. Alors j'en ai déjà mangé poêlé parce que c'est vraiment. Alors pour ceux qui n'étaient pas là dans le vlog d'hier, Dieppe, c'est le port numéro 1 en France pour la coquille Saint-Jacques. Exactement. Donc je me suis dit, il faut à tout prix que j'en mange. Donc j'en ai mangé dans le resto que j'ai testé hier, c'était super bon. Et toi, t'as fait une petite variante? Bah voilà, je me suis dit, je vais t'en faire goûter un petit peu. Et puis, donc je vais faire un carpaccio de. Ah donc ça change. Saint-Jacques, voilà, ça va être du coup, cru. C'est cru là. C'est cru. Et c'est bon, toi t'aimes bien? Moi j'aime bien. Donc tu vas goûter. J'ai jamais goûté cru. Saint-Jacques cru, j'ai jamais fait. Donc voilà. Delphine, t'aimes bien toi? J'aime bien un petit peu. Ah, mitigé. Pour être franche. Non, mais je pense que ouais, c'est chacun ses goûts en fait. Exactement. Voilà. Bah écoute, c'est histoire de changer, on va dire. Et bah allons-y. Donc du coup, ça ressemble à ça. Voilà. Si, visuellement. C'est en petite lamelle. Du coup, c'est avec en petite lamelle crue, avec assaisonné comment? Alors j'ai mis quelques épices. Ouais, j'ai mis un peu de curry, de paprika, un peu de poivre et puis une petite vinaigrette avec un petit peu d'huile d'olive. Ok, la pression pour moi, ils sont là, ils se mettent pas à manger, ils me regardent, genre, alors, qu'est-ce qu'ils vont en penser? On va s'y mettre. Ah là là, non mais là t'as pris des risques, parce que tu vois, t'aurais pu dire valeur sûre, j'ai fait une Saint-Jacques poêlée et tout. Exactement. Là, non. Mais j'ai pas tout misé là-dessus, hein. C'est pour un autre plat que je te reçois, donc je me suis dit, voilà, on va te faire goûter. Allez, Saint-Jacques cru. Je vous t'en rends au curry. Bah si, c'est super bon. C'est super fort. Ah ouais, franchement, c'est très très bon.
Du coup, c'est en fine lamelle. Très bon assaisonnement. Du coup, ouais, c'est clair que c'est le fait que... Après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. C'est le droit d'aimer, de pas aimer, voilà. Bah, moi, franchement, je prends ça. Hein. Non, c'est bon, je finis l'assiette. On est bon. Première étape validée. Deuxième, la paella qui arrive. Oh là là, je suis ému. Pourquoi tu es ému? Bah parce que le moment tant attendu arrive. Bah fais-moi un petit assortiment. Hein. Mais bien sûr que je vais finir. Tu m'as pris pour qui? Avouez que vous aimeriez être à ma place là. Comment c'est fourni? Une fois je suis allé dans un restaurant, ils m'ont fait payer la paella, je crois, 20 ou 25 euros l'assiette. Il n'y avait rien dedans, c'était du riz. Du riz jaune, il y avait genre une crevette, une moule, même pas un morceau de poulet. Là il y a de tout. Bah bon appétit à tous alors. Hein. Merci Florian. Alors ça va, c'est bon? En même temps vous êtes déshabitué. On va goûter ça. Tiens. Je te laisse goûter ta propre paella, me dire si tu en es content. Je vais pas être objectif, moi. On te demande pas d'être objectif. Excellent. Ah, voilà. Excellent. En plus, c'est généreux, aussi bien en viande qu'en fruits de mer, quoi. L'appétit revient direct. Franchement, c'est trop bon. Alors, les gens vont dire, bien sûr, de toute façon, même si c'était mauvais, t'oserais pas lui dire. C'est vrai, j'avoue, j'oserais pas lui dire. Mais là, il s'avère que c'est trop bon. Rien que la générosité de ce plat, rien que tous les ingrédients que t'as mis dedans, le tout qui a parfaitement cuit ensemble, le riz que t'as ajouté, c'est génial. Et puis tous les produits de la mer en plus, c'est des trucs d'ici quoi. Chorizo dédicace à Ludo la pomme. Dans une autre vie, c'était Ludo le chorizo. C'est bon, ça relève le plat. C'est trop bon. En plus, c'est trop bon celui-là. Hein. Eh merci hein, Vincent. Chez vous là, vous regardez cette vidéo, faites du bruit pour Vincent s'il vous plaît. Bon du coup les amis en live, j'en reprends. Ce qui est symbole de la validation de cette paella. Vas-y, par contre, je vais pas en reprendre trop non plus parce que il paraît qu'il y a un dessert. Bon, deuxième assiette terminée. Et alors, attention, avant le dessert, il y a un live. Parce que toi, tu joues... Du saxophone. Tu joues du saxophone. Eh, c'est chaud, il faut sacrément du souffle pour jouer du saxo, c'est ça? Faut souffler fort ou alors il y a une technique, en fait? Oui, il y a une technique. Yeah, bravo, yeah. Non, banana split. C'est rapport aux vidéos ou pas? Rapport complètement vidéo. Pour ceux qui ne comprennent pas, allez voir la vidéo de la confrontation au pire resto. Et même la vidéo numéro 400, le pire resto, où ils avaient fait un banana split à 16 euros. Et DJ Jazz ne savait pas. Et voilà, celui-là, il a combien alors? À combien vous me le faites? Bah rien du tout. C'est vrai. C'est les glaces de la ferme. Donc mon beau-frère, qui a une ferme dans le secteur. D'accord. Et donc sa femme, Hélène... fabrique les glaces à la ferme, donc avec les produits laitiers de la ferme, donc c'est le... Ah ouais, donc c'est de la vraie bonne glace, c'est naturelle bonne glace, voilà, et tout. C'est le lait qui a été trait. Et c'est fait dans la région aussi. C'est fait, voilà, à Saint-Vadier-Dalle. D'accord. Bah, du coup, s'il y a un site, quelque chose, une adresse, je mettrai dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Pas de souci, on va te donner ça. Eh, c'est trop bien. Eh, banana split maison, franchement, il n'y a rien de mieux. Hein. On va pas se prendre la tête. il va y avoir donc glace fraise. Glace à la vanille, donc assez classique. Et au milieu, donc c'est le best-seller, on va dire, de mon beau-frère. Donc il vend beaucoup, c'est le caramel beurre salé, parce qu'on est en Normandie ici. Okay. Et les gens adorent, tu vas voir, c'est un super goût. Donc voilà, le beurre de ferme, etc. Quoi. C'est vraiment du produit local. Ah, c'est génial. C'est excellent. Ah, c'est un bon concept hein, de faire ça, parce qu'en plus, les gens, ils sont toujours à la recherche de trucs locaux, maison, et là, de la ferme et tout. Bien joué, bien joué. Et je vous donnerai aussi l'adresse de Vincent, qui fait très bien la paella, qui peut vous recevoir sans souci. Il me l'a promis ce soir. Il y a moins de chance, je n'ai pas la queue derrière, sur le portail. Mais. Du coup, au milieu, ça doit être vanille, hein, ça. Oups.
Ah ben non. Non. Caramel beurre salé, mais il a pas la couleur d'un caramel beurre salé. C'est caramel beurre salé. Eh, mais ça, tu sens le goût direct. Eh, t'as raison. Trop bon caramel beurre là, salé. Il n'y a pas de colorant, c'est que du produit naturel. Ah ouais, ça déchire, parce que là, j'ai vu ça comme ça, j'ai cru que c'était vanille. Mmh. Oh, même la fraise, elle a un pur goût de vraie fraise. Franchement, c'est pas des. C'est pas un fake. Hein. Les glaces sont super bonnes. C'est pas du colorant, c'est du. Voilà, c'est du vrai fruit. Hein. Banane de la ferme aussi. Non. Ni les fraises. Bon, en tout cas, c'était une bonne soirée avec toute la famille. Vincent, pareil là de fou. Bah oui, écoute. Ça fait je plaisir. Je suis allé aussi, donc tu l'as trouvé bonne, moi aussi. Donc franchement, c'était bon. Génial. En plus, on a bien vu comment ça se faisait. C'était vraiment voilà, le premier Florian chez vous en plus de l'année. Si vous aussi, vous voulez que je débarque chez vous, vous faites comme a fait Vincent. Vous m'envoyez un mail, florianonair94@gmail.com. Et puis, bah, j'essaierai de vous répondre. Et peut-être que je viendrai chez vous, dans votre ville, où que vous soyez prochainement. C'est cool. Merci. Merci Delphine aussi. Merci à toi. Merci les amis. C'était cool. Du coup, alors ils m'ont dit, tu vas finir le vlog ici. J'ai fait, ouais, on pourra dire Florian en air. Donc je dis, ouais. Mais déjà, on met tous un petit pouce vers le haut. Si on a kiffé la vidéo, pouce vers le haut, pouce vers le haut, pouce vers le haut, pouce bleu. Et puis, bah, vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve donc sur mon Facebook. C'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. A plus, ciao, merci. Au revoir.